Le prince Rainier III aurait eu 100 ans en cette année 2023. Personne, du côté de la principauté de Monaco, n'oublie son règne. Avant de céder sa place à son fils, le prince Albert II de Monaco, le souverain a régné sur le rocher pendant 55 ans et 10 mois. Ce qui explique qu'une émotion palpable entoure ces prochains mois. De nombreux événements sont programmés pour rendre hommage à sa mémoire. La prochaine fête nationale lui sera dédiée, tout comme le traditionnel village de Noël au mois de décembre. Mais tout ceci débute bien avant, le mercredi 5 avril 2023, à l'orée des 18 ans de la mort de Rainier, il est décédé le 6 avril 2005 à l'âge de 81 ans. Cet office commémoratif a été dirigé par Dominique-Marie David, l'archevêque de Monaco, en la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Monaco. Le prince Albert II de Monaco, qui a été nommé président d'honneur du comité de commémoration, a retrouvé la plupart des membres du clan Grimaldi. Il était soutenu par son épouse, la princesse Charlène, et a pu croiser la princesse Caroline de Hanovre, avec ses fils Andrea et Pierre Casiraghi ainsi que sa fille aînée, Charlotte Casiraghi, mais aussi la princesse Stéphanie et ses deux filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Très récemment devenue grand-mère, Stéphanie de Monaco avait tout de même fait le déplacement, se séparant quelques instants de sa petite fille née la veille, le 4 avril 2023. On imagine que Louis, le papa, était resté à la maison avec sa merveille. Si l'heureuse grand-mère était présente lors de la messe, si est aussi parce qu'elle est présidente du comité de commémoration, aux côtés du prince Albert II de Monaco. La naissance de mon père était vraiment historique puisqu'il n'y avait pas eu de naissance d'un futur prince souverain de Monaco à Monaco depuis 1758 avec Honoré IV. A rappelé ce dernier lors d'un discours. L'office commémoratif du 5 avril 2023 n'est que le début des nombreux hommages organisés en l'honneur du prince Rainier III. À partir du 31 mai, le peuple monégasque aura le droit à une promenade de sculptures, plusieurs expositions, des concerts, des conférences, des tournois sportifs, des galas ainsi qu'à un bal. Il y en a un, tout là-haut, qui doit avoir le sourire.